Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous entrons pour Lara Fabian, entre la vie et la mort, une éclampsie en cause. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Lara Fabian aurait été confondée à un drame personnel qui aurait pu lui être fatal. France Dimanche en dit un peu plus en se basant sur ses révélations de la star. Décembre 2020 et la sortie de son album, la chanteuse de 52 ans fait sa montre discrétion. À part faire sa participation l'an dernier à la Star Academy, la version québécoise, elle a fait un rapport dans un premier temps le magazine. Mais en coulisses, elle travaillait sur un livre de souvenirs. Elle y révèle qu'elle aurait pu se faire jamais voir le monde le 9 janvier 70. D'après le magazine, un accouchement prématuré provoqué par un évanouissement brutal et prolongé de sa maman. Celle-ci était victime d'éclampsie, une crise convulsive potentiellement mortelle qui peut survenir chez les femmes durant la seconde partie de sa grossesse. Les soignants ont demandé au futur papa de choisir entre son épouse et son enfant. Papa s'effondra alors contre la double porte des urgences, a raconté Lara Fabian. Je suis née donc à 19h30, par césarienne, et maman se réveillera dans un lourd sommeil 9 jours plus tard, poursuit la chanteuse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.